Il est 7h20. C'est jeudi 18 juillet. C'est l'anniversaire de ma soeur, mais c'est pas pour cette raison que je suis réveillée si tôt. Enfin, pour moi, c'est très très tôt. Je sais qu'il y en a plein qui se lèvent tous les jours à cette heure-là, mais moi, je suis pas matinale. Donc là, je souffre. Je suis réveillée à cette heure-là parce que on a notre transporteur de bouquins. Enfin, on a refait faire imprimer des bouquins. Et il est censé passer. Il était censé passer hier. Il est pas passé hier. Et donc, il est censé passer de 7h à 8h aujourd'hui. On va le croire. Je vous promets que si il n'est pas là. Ah. Eh. Oui, bonjour, c'est le transporteur. Oui, bonjour. Je vous livrer cette palette. Oui. Ok, et eh ben je suis là, je vous attends. Merci, à tout de suite. Parfait. Parfait. Alors là, j'allais critiquer comme une pute. Parfait. J'avais décidé ce jeudi d'aller faire de la prospection dans les magasins. Donc vous savez, pour distribuer le bouquin dans les carrefours du coin. Et en fait, avant, je bossais avec eux et ils ont plus de stock. Ou je sais pas, enfin je crois pas. J'ai beau les appeler, c'est très 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 compliqué de les avoir au tel. Donc je me suis dit, mais t'inquiète pas, ma puce, me répond pas, j'ai débarqué. Bon, je fais la meuf, mais c'est pas forcément gagné parce qu'en vrai, il faut réussir à qu'il y ait le manager qui soit là, il faut réussir à qu'il soit dans de bonnes dispositions, qu'il écoute, qu'il est. Enfin bref, tu connais. Mais on va quand même le tenter. J'aimerais bien qu'il arrive tôt. Comme ça, on prépare les commandes. Et après, on part quoi? On part, je vais vous emmener. Enfin, je vais vous emmener. Si, je vais vous emmener, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de la prospection physique, donc je sais pas ce que ça va donner. Ça, ça ressemble à un gros camion. Tout à fait. Allez, let's go. Bonjour madame. Eh, franchement, je pense que vous êtes le meilleur de ceux qui sont venus me déposer. Hein. Ah bon? Bonne journée, bon courage. Super, merci beaucoup et bon courage à vous aussi. Je dis ça, je vous ai oublié. Hein. Bonne journée, bonne journée. Je n'oublie la barrière. Voilà, et ben on va. Je vais finaliser toutes les commandes là parce qu'on était en rupture du stock du troisième tome. C'était la première fois en 4 ans que ça m'arrive parce que j'avais fait une offre et vous avez dévalisé le truc donc j'ai été en rupture. Donc du coup, il y a quelques commandes qui sont en attente qu'on va faire. Et puis après, bah, tranquillement, on va aller promener les doggies, le petit caca. Et puis après, on va aller tranquillement en direction de la banlieue parisienne. Une demi-heure après, on a terminé. Bon, j'avoue, on a recyclé le truc Maxiso parce que on avait une grosse commande. Ça part au carrefour de Aix-en-Provence. Là, il y a de quoi faire. Moi, je me suis foutue en slibar, j'en pouvais plus. On va aller faire caca au chien et après, on va y aller tranquillement. Bon, putain, j'ai me fait trop rire. Il attend vraiment de moi. Comme un beau doggy qui va aller faire son petit caca. Ça, le temps passe trop vite, je te jure, c'est hyper cliché de dire ça. Mais genre là, il est plus de 9h, 9h, genre 5-10. Je me suis fait à 6h45. Mais je vous jure, les animaux, c'est vraiment... Ils sentent quand, tu sais, on est un peu pressé, qu'on a des rendez-vous, qu'on veut se bouger le cul. GG d'habitude, il fait caca et en gros après il rentre. Lui, c'est pas... Et là, vas-y, qui traîne, il traîne, il traîne. Il se roule dans la merde. Petit arrêt à la poste. On va foutre tous les livres derrière. On a pris des livres au cas où ils aient envie d'en prendre directement. Je sais pas, je suis pessimiste. Enfin, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je connais les loustiques, comme on dit. En tout cas, j'ai sorti les tétons, comme vous le voyez. On met toutes les chances de son côté. Alors écoutez, le destin est avec nous parce qu'on a mis 20 minutes pour arriver au premier carrefour. Donc on est contente. Et il n'y a personne. Mais en fait, c'est peut-être le bon deal de venir en juillet. Bon, après, je suis pas sûre qu'il y a les managers une fois encore, on va voir. Et on se dit, on va peut-être réussir à en faire pas mal. Stressé au fait. C'est ta première prospection. On a pour mission aussi de trouver le locker pour déposer les mondiales relais. On s'est dit que tout devait être réuni dans un même... Dans un même truc. Insupportable, on trouve pas le truc, on demande à un gars. Vous sortez à gauche, à droite, on est tombé sur tous les pick-up. Pick-up Colissimo, on est même tombé sur un pick-up vintage. J'avais même pas que c'était possible. Mais c'est une blague, on se retrouve de nouveau dehors, il est là le truc. En fait, on est garé là. Donc on a fait tout ça là, pour ressortir. Et je te jure, j'espère qu'il va prendre tous nos colis. Hein. Non mais c'est une énorme enculade. On peut juste retirer. Là, je peux vraiment frapper quelqu'un. Bah. Mais en vrai, tu peux m'attendre dans la voiture. Hein. Ça sert à rien de faire des mille détours et des tours et...
J'ai même plus envie d'y aller là. Mais non, mais c'est super chiant. Ça casse les couilles en fait. C'est quoi ces lockers de merde? Ne préciser qu'on peut pas envoyer. Ah bon, déjà, on va voir si les livres sont potentiellement en rayon. Parce qu'en gros, j'ai eu des gros soucis avec la distrib en Ile-de-France. C'est hyper compliqué, genre vraiment. Je vais pas cracher dans la soupe parce que. Ah, je vais poser mon sac là. Mais c'est très compliqué. Je vous jure, c'est une galère. Vous imaginez pas. Le plus dur, c'est pas de les convaincre de refaire du réassort parce qu'en fait, on travaille déjà avec les Carrefour. Ils sont tous en rupture, donc ils sont contents. Le souci, c'est. Putain, j'ai chaud au cul. C'est de réussir à les avoir en fait. Et en fait, c'est ultra compliqué. Donc, par téléphone, t'arrives jamais à les avoir. Ils répondent jamais. T'es toujours en attente pendant 3 heures. Enfin, c'est l'enfer. Et en fait, quand tu te déplaces, bah, ils sont pas là. Donc là, il est pas là. Évidemment, Jimmy ne travaille jamais le jeudi. Je vous dis, ça va être compliqué, mais bon. J'ai donné mon coordonnée et j'ai réussi à avoir son adresse mail, mais alors il regarde pas ses mails. Du coup, je dis au gars, à son collègue, je dis, bah, vous pouvez lui dire de regarder ses mails, ça peut être pas mal quand même. Enfin, si vous avez une adresse mail, c'est. Ça me dépasse un petit peu. Mais bon, écoutez, on va passer au suivant. On a fait un truc de gueuse, enfin, surtout moi. C'est-à-dire, bon, déjà, j'ai roulé sur un plot, mais ça, c'est vraiment anecdotique. J'étais persuadée qu'il y avait un des Carrefour qui était dans la liste, ce qui était le cas. Donc on y est allé. Il a été racheté par quoi au fait? Akatakadao. L'ancienne brésilienne qui fait du gros lot. Voilà. Mais bon, du coup là on est dans un autre Carrefour, c'est le deuxième seulement. Il est 11h30, on a dû repasser prendre de l'essence, nanana. Je pense que lui je le sens bien, tu vois, bizarrement. Bon, ils ont pas l'air d'être en rayon, mais alors est-ce qu'ils sont pas en rayon parce qu'ils les ont retirés ou parce qu'ils les ont pu? On sait jamais. Par contre, ça, ce genre de couverture là, c'est pas beau, je suis désolée, mais on va essayer de trouver quelqu'un. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne, tombé sur un monsieur adorable, Franck, trop mignon. Et en effet, en gros, ils sont dans les livres, mais en fait, ils sont dans leur réserve. Enfin, bref, classique. Mais tout ça est-il que il en a repris, donc vous en avez, et à chaque fois, on les a dédicacés. Donc, ça, c'est au Carrefour de Drancy. De Drancy, voilà. Merci, Franck, qui est adorable. Bon, par contre, faut qu'on trouve un moyen de facturer parce qu'il n'avait pas d'adresse, mais il était vraiment très, très gentil. Du coup, mission accomplie, on a réussi. À en signer, toujours ça de prix, c'est pas mal. Bon, après, franchement, je lui en ai pas vendu la masse parce que je sais qu'il en a réserve et je sais que sur la zone, il y a franchement pas énormément de demandes, on va être honnête. Donc, je préfère pas, enfin, je suis pas en mode vendre à tout prix et qu'après il reste en stock, ça sert à rien. Bon, du coup, changement de petit programme, on vient d'avoir Alex, votre chouchou, qui nous a dit bah, moi j'arrive là. Donc, on a dit bon, bah vas-y, on passera. Il nous restait un magasin à faire, enfin, moi j'avais dit que je voulais en faire 3, mais bon. J'avoue là on a un peu, ça y est, on a signé Francky, donc on est bien. Et du coup on va le rejoindre directement, on mange avec lui et en fait on arrive dans 45 minutes à cause des embouteillages. Peut-être qu'on pourra après manger aller voir, sachant qu'il faut qu'on aille chercher notre petite robe pour le mariage. Et voilà, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Oh là là, on est coincé dans les embouteillages, c'est long, c'est chiant. En fait vous savez, à Paris, comme il y a les JO là dans. C'est quand les JO fait? C'est bientôt là. Le 26. Le 26, on est le 18, tu vois. Et du coup, laisse tomber, ils ont créé une voie à Paris où en fait, sur la voie de gauche, c'est genre JO Vibes, tu vois. C'est pour les gens de l'équipe, des athlètes, nanani, nanana. Donc, trop relou. Sauf que on sait pas déjà à quel moment cette voie est active parce qu'elle n'est pas toujours active. Et c'est 135€ d'amende si t'es dessus. Donc, nous, on est en mode évidemment, personne ne veut faire. Apparemment, Ophé me disait qu'en une journée, ils ont fait 400 contraventions, c'est ça? Donc laisse tomber, ils sont en mode à fond pour que tout le monde respecte le truc. Nous, ça nous bute un peu parce que quand on voit le nombre d'incivilités qu'il y a au volant en banlieue parisienne et à Paris, bon, peut-être ailleurs, mais en tout cas, moi, pour faire beaucoup de banlieue parisienne et Paris, je me dis putain, là, ils ont pas de problème à foutre des contraventions à ces gars-là, mais alors les connards qui doutent par la droite, là, en mode ah, du coup, c'est la merde pour accéder dans Paris. Ajoute à ça le fait qu'ils bloquent des routes, des accès, des machins, c'est un peu la merde. Et trouvé, là, ça fait. C'est trop long. Il nous reste 4 km, il faut 20 minutes pour faire 4 km, c'est l'enfer. Et j'ai hâte de bouffer parce que je sais que où on va manger, c'est bon. On a retrouvé notre puce. Je fais un vlog pour le YouTube de dimanche, mais comme les gens t'aiment, je suis obligée de montrer un tout petit peu de toi. Voilà, c'est bon. Voilà, putain clica. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Moi j'ai pris un risotto. Lui il a pris du veau parce qu'il s'en bat les couilles. Et au fait, elle a pris un petit bowl. Ouais, mangue, épeautre, courgette. On a traîné les 15h, mais je suis obligée, c'est mes deux puces. Hein. Et j'ai une bonne nouvelle, j'avoue, mon cours de danse de ce soir, il est annulé. Bon, bah, c'est pas si mal. Voilà, j'aurais bien voulu finir la choré, mais
le réveil à 6h30 là. J'ai perdu l'occasion de montrer mon boule là, et voilà. Baby, I just don't get it. You don't believe his stories. Back to you every night, doing you right. On va où, Alex? On va dans ma boutique, hein? Dans tes boutiques. Dans mes boutiques. Allez voir l'amoureux. Oui. L'amoureux d'Alex. Allez hop, accès réservé au personnel. Moi, je suis quelqu'un de très personnel. Vous savez, le problème que j'ai, c'est que d'avoir un ami qui a deux frites incroyables, c'est que moi je vais dans le stock. Et je, tu vois, je pète un cap parce que je vois les pièces, regarde ça. Ton petit god était parti pour la soirée. Il le vend à 18 balles, alors que je pense que c'est vraiment fait à la main, tu vois. Je pense que les chiens, ils vont chier dans la maison, on allait pour partir. Alex, il dit, oh, attendez, on reprend un dernier coup avant de partir. Du coup, vas-y, qu'on se prend une petite grenade en terrasse. J'ai trouvé des lunettes, regardez, 25 balles. Mais c'est indécent à tel point là. Et bon, j'ai acheté 3 trucs et tout. Par contre, on n'a pas trouvé de robe pour le mariage. Si, Ophélie, elle a trouvé. Alors c'est Ophélie, hein, mais elle est quand même invitée au mariage. Je pensais qu'ils avaient des liens d'amitié, mais bon. Nous revoilà. On est épuisés. Je vous ai même pas filmé le retour en voiture. Après, on a pris les chiens, ils étaient surex, les pauvres. En vrai, on le fait jamais. Ils ont la chance d'être avec nous toute la journée, etc. Mais... Et après, du coup, on les a pris direct et on allait les promener en forêt, donc tout va bien, c'est bon. Et là, je prenais le temps de vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai acheté ce manteau. Ça, c'est Gégé qui est comme ça. Je sais pas si on voit très 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 bien. On voit bien mes nichons par contre. C'est pas du tout de saison. Et même t'as vu le bas comment c'est beau. Et là, autant vous dire qu'il est 19h, 18h30 quelque chose par là. Je n'en peux plus. Regarde les cernes, c'est très charmant. Donc je vais aller me prendre une petite douche histoire de se rafraîchir la boule. Et après on va bosser, mais alors vraiment dans le canapé tranquille là. Oh là 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 là, ça c'est mon moment préféré. C'est bizarre à dire, mais mon petit ordi, mon jogging, mon canapé. Terminé, bonsoir. Et ben voilà, c'était une bonne journée. Très bien.